Allez, Guimodas qui nous sort Feu l'Inferno. Tiens donc. Pourquoi pas. Allez, up tilt, up tilt. 2 mais pas 3, faut pas déconner. Le fer de Samus qui est quand même très bon, on va pas se mentir. Assez safe, multi-hit. Allez, troll. On a bon. Ça aurait pu punir mais faut pas déconner non plus. Faire. Un troll qui coupe dans le temps. Dash. Ah, il allait punir mais. Toujours en dash. L'inferno que je vois décidément assez souvent ce soir. Ah, ça se punit. Eh oui, ça se punit. Vous l'avez vu comme moi ça. Alors, c'est qui déjà? Ah oui, donc là nous avons Samus Sobre contre Poil. Ouais bon là, une fois pas deux quand même, Guimodas faut pas déconner non plus. Ça lui a fait que ça. Ah ouais mais c'était pas un full charge. Ah, là c'est un full charge. Allez, combo, fer. Ça aurait pu se punir méchamment. C'est vrai qu'il y a trop de fait l'inferno, bon, en même temps c'est du perso aussi. Il fait toujours rap. Ah là aussi ça demandait une belle punition, un petit back air de la part de Guimodas, ça aurait pu faire tellement. Allez, de Lariat et voilà, ça tue. Ça fait réfléchir. Allez grab. Upper. Le mec il a cru il était ZSS. Putain, mais... Oh tu te calmes ZSS. Lariat. Difficile. Ah il aurait peut-être pu tenter le suicide. Aïe, ouais non là ça se punissait en bonne et due forme avec le petit smash. Allez, non. Bah, il a raison, c'est comme ça que ça se joue ici pour le perso, c'est. Allez, faire. Allez, là ça tue. Non, ça tue pas. Le prochain gravi tue par contre. Ah, allez, ah, dommage. GG. 1-0 pour Guimodas. Il nous sort quand même un inferno très très clean, effectivement. Pourquoi personne n'a le tag Pingu? On a, je ne sais pas, mais de toute façon on a fait un shootout tout à l'heure dans le melt, donc t'inquiète que le message est passé. Voilà. Allez, on reste sur le même perso, mais cette fois sur Battlefield. Allez, jab. Le Lariat. Trop gourmand, ça t'apprendra. C'est vraiment risqué d'aller Gimp avec l'Inferno parce que voilà, recovery que tu tapes derrière si tu te rates. C'est contre Inert sur le setup 6. Bon après je pense vu la maîtrise du perso, il devrait pas avoir de mal à remonter. Mais c'est vrai qu'il se facilite pas la tâche. Allez, là ça va être mort. Voilà, c'est fini. Allez, deux stocks de retard, c'est chaud, ça se fait, mais c'est chaud. Je pense qu'il aurait
Bon, après, je dis, il aurait dû peut-être faire juste F-Pro, mais au final, ça a marché, donc qui suis-je pour critiquer? Allez, tape sous notre l'air. Là, pour le coup, sur Battlefield, Fab a vraiment un stage control mais exemplaire. Il est vraiment là où il faut, il approche quand il faut, il tient toujours ses bonnes positions. Allez, c'est fini, rien à dire. Là, pour le coup, c'était un match qui était totalement one-sided. Y a quoi comme traduction française bien de one-sided? Et du coup, ça part sur Stade Pokémon. Est-ce que Dimodas va rester sur Fel Inferno? Il stat. Alors, cette fois on part sur un registre totalement différent. Donc, Olimar contre Chrome. Alors, pour le coup, je pense que sur ce match, Chrome a beaucoup plus l'avantage. C'est un match-up qui est vraiment en sa faveur. De manière générale, j'ai l'impression que les DPistes ne craignent pas trop Olimar. Après, c'est quand même un perso que tu es obligé de respecter, forcément, mais... Ah. Ben voilà. Ok, ça c'est la malédiction du commentateur, forcément. Il chasse bien quand même. Oh là. Super armor. Je savais pas qu'il avait... Je savais qu'il y en avait une, mais je savais pas que Chrome avait... Cette réactivité. Petite belle tech. Ah, le smash. À mon avis, ce match là va être oublié. Smash. Il tente de pousser Olimar à l'erreur, mais Guimodas ne se laisse pas intimider. Oh, c'était aïe. Ouais. Il la smash par-dessus la plateforme là, ou j'ai mal compris? C'est bon. Avec Rab. Hop, et là, à mon avis, ça va être fini. Ouais. GG. Un 3 stock. Là pour le coup, Guimodas il déconne 0. Guimodas ne bouge pas. Yata contre Guimodas. Allez, on envoie donc Yata. Donc ce qui veut dire que Yata nous sommes désormais dans la. Arrêtez.